Dominique Moreau est une chercheuse de beauté. Une beauté qu'elle trouve dans la nature qui l'entoure, au fil de l'eau, le long des rivières et des cascades. La combinaison du mouvement, de la fluidité, de la lumière, bien sûr, puisque photographier signifie écrire avec la lumière. Et rechercher toujours cette beauté que l'eau, à un moment donné, va communiquer. Sous son objectif, l'eau devient une œuvre d'art, une image sans filtre et sans retouche. Son premier cliché sur l'eau remonte à l'année 2000, une photo prise à la cascade des Tuffes près d'Arbois, qui sera un peu plus tard un élément déclencheur. Quand j'ai reçu la diapositive, parce qu'à l'époque je faisais encore la photographie argentique, j'ai découvert ces notes de musique. L'eau avait exprimé sa musique. Depuis, elle n'a cessé de photographier cet élément. Du Jura aux Alpes, en passant par l'Arizona, elle voyage au cœur d'elle-même et de la nature. Mes rencontres avec les Indiens Navajo et Pueblo m'ont ouvert davantage sur cet aspect de la puissance de la terre, de la beauté de la terre et de l'importance de s'y relier. Et l'eau en fait partie, évidemment. Après le musée de l'Orangerie à Paris, l'exposition « L'au-delà » est présentée à la Maison de la Réserve à l'Hébergement Sainte-Marie. Elle est à découvrir jusqu'au 7 janvier 2018.